fait, Fritz, pour que tu lui fasses ça, là? Rien. Je te l'ai dit. J'ai jamais voulu le faire passer pour... Hey, change de disque, OK? Je sais que t'as fait exprès. T'as pas arrêté d'essayer de le caler. Hey. Capote pas, man. J'ai pas essayé de le caler. Toi, t'es pas mieux. T'as pas arrêté de prendre sa défense. Ah, il est donc bien cool, Fritz. Ah, mais il est donc bien fin, Fritz. Inscris-toi donc à son fan club un coup parti. Coudon, es-tu jaloux, Alexis Talbot? Non, c'est pas ça, pantoute. C'est juste que j'aimerais ça que tu me crois. Je pensais que c'était moi ton ami. Et quand tu me fais des affaires à la même, je suis plus sûr. Mais lui, là, il m'a vraiment pompé. Ça a commencé hier, quand Alexis est venu me rejoindre au centre des loisirs. Hey, pas mal cool, le centre des loisirs ici, hein? Où j'allais avant, il y avait une table, mais il y avait plus de raquettes ni de balles. Ça va moins bien. Hein? On joue au ping-pong imaginaire, au moins on pouvait jouer tout seul. Puis vous couriez pas après les balles? Salut, man! Salut! Tu prends de faire battre? Tu prendras le gagnant, j'ai invité Fritz à jouer avec nous. Ah! Oh, ben, Fritz était jamais venu, j'ai voulu lui monter la place. T'es rendu guide touristique? Ce sera pas long, on achète notre partie. Prenez votre temps. Pas fort, ça, hein? Ah, ben c'est pas grave. Je laisse des chances pour pas qu'il se décourage. C'est rien qu'un réchauffement. Prochaine partie, là, tu touches même pas à la balle. Ah ouais? J'ai hâte de voir ça. Moi, j'ai plus le goût de frapper sur des tambours que sur une petite baballe, là. Ça te tente pas qu'on ait répété? Tiens, un autre qui a peur de se faire battre. On peut bien, ouais. Excuse-moi d'arrêter votre partie, hein? Ah, mais veux-tu venir nous écouter répéter? Oui, ben, j'aimerais ça. Je suis pas sûr que tu vas aimer ce qu'on joue, par exemple. Hein. C'est assez élevé, notre affaire. Inquiète-toi pas, je suis capable d'en prendre. Hey, je vais chercher mon sac. OK. Pourquoi tu l'as invité? L'autre jour, on a décidé qu'on répétait juste entre nous. On a dit ça parce que Janine se mêlait pas assez de ses affaires à ton goût. Fritz, c'est pas pareil. Je me souviens pas qu'on ait fait un règlement pour les grands-mères puis un autre pour le monde de l'école. Il dérangera pas. C'est pas supposé être fini ton affaire de parrainage de nouveau? C'est pas ça, là. Je l'ai invité parce qu'il est cool. En plus, il connaissait la musique. Il va pouvoir nous donner son avis. Mais j'en veux pas de son avis. On est un band solide, on a rien à foutre de ce que Fritz Sauce pense de notre musique. Je suis prêt. On y va? Ouais. Ben oui, on y va. Salut, t'as fait ça vite? J'ai pas pris de chance. De la manière dont tu parlais au téléphone, j'avais peur que le feu soit pris. Si ça avait aidé pour éteindre un feu, je t'aurais dit d'amener ton imperméable. Non, sérieux, j'avais vraiment hâte de te montrer. J'ai fait plein de nouveaux bijoux. C'est pour ça que tu m'as fait courir? J'ai plus ton âge, là, j'aurais pu faire une crise cardiaque. Regarde, celui-là, il est beau, hein? Puis celui-là, comment tu le trouves? Moi, c'est mon préféré. Ils sont beaux, sauf que... Quoi? Là, on a fait tellement de bijoux cet été, si ça continue, on n'aura plus assez de bras pis de cou pour les porter. C'est ça que je voulais te dire. J'ai eu une super idée. Tu vas te faire greffer un petit bras dans le front. Non, mieux que ça. On va vendre nos bijoux. Ben, à qui? Ben, ceux qui vont vouloir les acheter. Ils sont super beaux, je suis sûre qu'on pourra en vendre plein. Ouais, c'est vrai que c'est pas fou comme idée. J'ai pensé à tout. On va faire de la pub à l'école pour les annoncer. On pourrait même faire du placement de produits dans nos cours. Ben oui. Par exemple, on pourrait demander à nos profs de français qui parlent de nos bijoux dans leur dictée. Par exemple, les bijoux de Kim et d'Annabelle sont beaux et peu chers. Point. Dépêchez-vous d'en acheter, virgule. Les quantités sont limitées, point d'exclamation. Je suis pas sûre qu'il va vouloir. C'est une blague, Kim. Oh! Si c'est une blague, elle est super bonne. Elle est un peu moins drôle quand faut l'expliquer longtemps, mais bon. Bon, c'est quoi ton idée? Je vais te photographier avec les colliers, puis on va se faire des affiches avec. Ben, pourquoi moi? Marianne et toi, à l'école, vous êtes LA référence en matière de mode. Quand le monde va te voir avec le collier, ils vont tous en vouloir un. Bon, si tu le dis. C'est sûr. Es-tu prête? Mm-hmm. J'ai mon appareil photo, puis j'ai demandé la permission d'utiliser le bureau pour prendre nos photos. Je te dis que tu perds pas de temps, toi, hein? Faut pas. Tiens, tu vas mettre celui-là pour commencer.
OK. Bon. Comme ça, est-ce que j'ai l'air d'un vrai mannequin? Parfait. Les bijoux de Kim et d'Annabelle sont beaux et peu chers. Dépêchez-vous d'en acheter. Les quantités sont limitées, point d'exclamation. Comment tu trouves ça? Ça décoiffe, hein? T'aimes ça? Oui, c'est super bon. Ça t'a pas obligé, hein? Nous autres, on aime ça élevé. On sait que c'est pas tout le monde qui aime ça. Inquiète-toi pas, ils trippent sur la même musique que nous autres. Quand vous allez être populaire, je vais pouvoir me vanter que je vous ai vu répéter dans votre sous-sol. Ouais, sauf que nous autres, on veut pas devenir populaire. Ah, vous voulez pas percer? On veut percer, mais sans devenir populaire. Percer, c'est devenir populaire, non? On va vendre des millions de disques, mais sans devenir commercial. Tu peux pas comprendre ça, hein? Ben, je comprends. Vous voulez rester underground, c'est ça? Pas underground. Glauque. Alexis, il comprend tout ça. Il écoute rien de super commercial, lui, non plus, hein? Ben, c'est vrai. J'écoute du heavy metal, du jazz, de la musique du monde. Hein? C'est pas mieux, ça. C'est de la musique de vieux. Oh, man! Ça dépend. Janine en écoute du jazz, puis moi, j'avais pas ça moi non plus. Ah oui, le jazz, peut-être, mais la musique du monde. On dirait la danse de la pluie. Faut avoir de l'argent à gaspiller pour acheter ça. Écoutons, est-ce qu'il y a quelque chose contre Fritz, lui? Oh non! Mon lacet est détaché. Puis ça, là, ça doit être la faute à Fritz. Hey, il fait pas chaud aujourd'hui, hein? Ça aussi, ça doit être la faute à Fritz. Hey, avez-vous vu ça? Il y a eu un gros tremblement de terre en Asie. Encore la faute à Fritz. Tu penses pas que t'exagères un peu? Peut-être un peu, hein? Mais ça, là, c'est encore la faute à Fritz. Je vous le dis. J'ai hâte qu'il lâche. Avant de dire que t'aimes pas ça, Alexis, est-ce que t'en as déjà écouté, moi, la musique du monde? J'ai pas besoin de goûter à du boudin pour savoir que ça goûte dégueu. En tant que batteur, tu te vois en écouter, il y a des rythmes. Des fois, c'est hallucinant. Ça pourrait même t'inspirer. Mais veux-tu nous en jouer un petit bout pour nous donner un exemple? Ah, mais... Je sais pas jouer. Oh non! Ah, mais je pensais que tu savais jouer, moi, de la manière dont t'en parles. Pas besoin de savoir faire de la pizza pour pouvoir dire que c'est bon. Par contre, j'ai un CD. Si vous voulez l'écouter... Hey, ça, c'est cool! Je vais aller chercher ma radio pour écouter ça. Je vais avec toi. Est-ce que je peux utiliser le téléphone? Il faudrait que j'appelle chez moi. Ouais, pas de problème. Salut, j'ai les photos. Déjà? Avec les appareils numériques puis les ordis aujourd'hui, un développement une heure, c'est une éternité. Tu vas voir, elles sont vraiment bonnes. Regarde. Ah. Ah, c'est vrai qu'elles sont pas pires, hein? Un vrai mannequin. Je veux rien t'enlever, mais j'ai pris le temps de faire quelques retouches. Des retouches? Quelles retouches? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai blanchi un peu tes dents. C'est beau, hein? Mais pourquoi t'as blanchi mes dents? Pour qu'elles soient plus blanches. Mais qu'est-ce qu'elles ont, mes dents? Elles ont rien. Mais pourquoi t'es blanchi d'abord si elles ont rien? Je voulais simplement qu'elles soient plus blanches. Donc, tu trouves que j'ai les dents jaunes? Non, elles sont super belles, tes dents. Elles sont super belles, mais pas assez pour les mettre sur l'affiche. Huh. Dis-le donc, tu trouves que j'ai les dents jaunes? Non, je les ai blanchies, mais elles sont pas jaunes. Je fais ça, moi aussi, travailler pour rien. Et je lave de la vaisselle propre. Je couds même du linge qui est même pas brisé. Même les plus grands mannequins font retoucher leurs photos. Essaie pas de t'en sortir. Salut. Vous auriez pas vu Manolo? Je pensais qu'il serait ici. Je l'ai croisé tantôt quand je suis arrivée, il partait. Est-ce que ça fait longtemps? Qu'est-ce que tu regardes, là? Rien en particulier, là. Tu regardes mes dents, c'est ça, hein? Mais non, Annabelle, je te regarde toi. Surtout mes dents, essaie pas. Quoi? Et t'as raison, j'ai les dents jaunes. Annabelle, va-t'en pas. Qu'est-ce qu'on fait avec nos bijoux? Ça me tente plus, là. Qu'est-ce que j'ai dit? Oublie ça, la panique pour rien. Ah!
On peut pas faire une petite exception juste pour ce soir? OK, d'abord. Ouais, j'arrive. Ah! Il faut que je rentre. Déjà? Tu te couches à l'heure de Haïti? Haïti? C'est la même heure qu'ici, tu sauras. Ça se peut, je suis jamais allé. Hey, on a ça en commun? Moi non plus! J'ai pas le droit de sortir tous les soirs à part pour faire des devoirs, là. Nous, si on sortait juste pour faire des devoirs, on sortirait pas souvent. Hein, man? Ah, c'est pas grave, là. On se reverra à l'école, hein? Ouais, c'est ça. Ah, t'as oublié ton CD? Ah, tu me donneras quand tu l'auras écouté. Il rentre de bonne heure, ton ami? Est-ce qu'il a peur du bonhomme 7 heures? Alexis, t'as pas arrêté d'essayer de le caler quand il était là? Au moins, il parle pas dans son dos en plus. De quoi tu parles? Comment ça, le caler? Hey, il fait pas l'innocent, là. Pourquoi tu l'as pas lâché? Il t'a rien fait. J'ai pas essayé de le caler. Il est capable de se caler tout seul. Arrête, là. Mais quoi? C'est vrai? Je vois pas ce que tu y trouves. Moi, je vois pas ce que tu y trouves pour l'écœurer. Hey! Man! As-tu pris mon baladeur? Non. C'est bizarre. Je l'avais laissé sur la table, puis il est plus là. Ben, c'est un baladeur, il est peut-être parti se balader. Je niaise pas. T'es sûr que tu l'as pas pris? Ah oui, je suis certain. As-tu regardé dans ton sac? Ouais, puis il est pas là. Arrête de le chercher, puis tu vas le trouver. Si c'est pas toi qui l'as pris, puis c'est pas moi, il reste juste une personne. J'espère que tu penses pas que c'est Fritz qui l'a volé. En tout cas, il avait l'air pressé de partir. Il te l'a dit, il a fallu qu'il parte parce que ses parents sont trop sévères. Ça, c'est ce qu'il dit. On l'a laissé 2 minutes tout seul, puis quand on est redescendu, le baladeur avait disparu. Mais je le connais, là. Il aurait pas fait ça. Tu le connais? Tu le connais pas tant que ça? C'est vrai que je le connais pas tant que ça, mais il a pas l'air d'un voleur. Si les voleurs avaient tous ça décrit dans le front, la police aurait pas de misère à les arrêter. Je sais bien, mais... Mais quoi? En plus, il aime la musique. Méchant hasard que le baladeur ait disparu, tu trouves pas? Je sais pas trop, là. J'ai la misère à croire que Fritz soit un voleur. C'est pas un gars de même. Justement, les bons voleurs s'arrangent pour qu'on les soupçonne pas. Souvent, c'est ceux dont on se doute le moins qui sont voleurs. OK, si je suis ton raisonnement, il faudrait que je me méfie de tout le monde qui a l'air honnête. Yeah, c'est pas ça que j'ai dit. En tout cas, c'est ça que j'ai compris. Peut-être que je devrais te fouiller, vu que t'as pas l'air d'un voleur. Peut-être que je devrais me fouiller moi aussi, on sait jamais. Hein? Fais donc ce que tu veux, c'est toi le pire, hein? Comment ça, c'est moi le pire? C'est ton baladeur qui a peut-être été volé. Qu'est-ce qu'il dit qu'il a pas pris autre chose? Ben voyons donc, là, qu'est-ce que tu veux qu'il prenne? Ah, tu me stresses pour rien, toi. Annabelle, t'as-tu peur d'avaler des mouches? Pourquoi tu dis ça? Ta main devant ta bouche. J'ai toujours ri comme ça. Si je t'avais déjà vu rire comme ça, tu peux être sûre que j'aurais ri de toi. Hé, hey, lâchez-moi donc, là. Si je veux cacher mes dents, je veux cacher mes dents, c'est tout. Ça va être quoi après? Vous avez les dents jaunes et ça vous gêne? Vous hésitez à sourire? Vous n'aimez pas qu'on vous prenne en photo? Eh bien, tout cela est maintenant fini grâce au cache-dents magique de luxe. Grâce au cache-dents magique de luxe, je n'ai plus peur que les gens rient de mes dents jaunes. Je me sens belle et j'ai retrouvé le goût de sourire. Merci, cache-dents magique de luxe. Et si vous appelez aujourd'hui, vous recevrez en prime le méga protecteur de langue magique de luxe 2 en 1. Vous l'enfilez sur votre langue et il empêche votre langue de coller sur les poteaux en hiver ou encore il empêche les brûlures lorsque vous buvez du chocolat chaud. Vous autres, vous me connaissez depuis longtemps, vous êtes habitués puis vous remarquez plus que j'ai les dents jaunes. Annabelle, arrête de t'en faire avec ça. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un chez vous après l'école? Oui, ça devrait. Pourquoi? Ben, je vais passer chercher la machine à coudre de Marianne. Pas de problème. Tu sais où aller? J'étais un peu mal. J'étais pas sûr que c'était lui qui avait volé le baladeur d'Alexis. Mais en même temps, je me disais que c'était peut-être lui. Salut! Salut! Le travail d'équipe en histoire, est-ce que ça tente qu'on le fasse ensemble? Tant que je sais pas la vérité, je suis pas sûr que j'ai vraiment envie qu'il revienne chez nous. Je peux pas, je me suis déjà mis en équipe avec Constance.
Ah, ben c'est pas grave. Hey, on s'en prend pour un autre travail, hein? C'est ça, pas de problème. Ah, une bonne fois, j'aimerais ça que tu me fasses visiter le local de la radio étudiante. Ben, si tu peux. Pour qu'ils veulent laisser aider? Je suis pas censé laisser entrer le monde qui fait pas partie de la radio, mais je vais voir ce que je peux faire. Ben, merci. Ton chum Alexis, hier, je sais pas si c'est une impression, mais il était toujours sur mon dos. Il avait pas de m'achaler. Tu dis quelque chose que j'aurais pas dû? Non, il est comme ça. Il aime ça agacer, lui. Mais c'est pas méchant, c'est juste pour eux. Okay. Salut! Salut! J'ai pris un numéro. La prochaine fois, c'est moi qui suis en équipe avec Manolo. Prochaine fois? Mais vous êtes pas en équipe pour le travail? Il me semble que ça arriverait aussi. En fait, j'ai pensé me mettre en équipe avec Constance, là, mais je l'ai pas encore dit. Ouais, dans ma tête, c'est vraiment décidé. Là. C'est comme si on était déjà en équipe. Là. C'est pour ça que je t'ai dit que j'étais avec Constance. Hey, ça serait bien que tu m'en parles quand tu prends des décisions comme ça. Tu peux me le dire, Manolo, si tu as envie d'être en équipe avec moi, je vais comprendre. Non, c'est pas ça du tout, là. C'est parce que je m'étais déjà mis en équipe avec Constance, puis elle avait fait le travail tout seul, tu t'en souviens, là? Le travail débile, là, d'anglais. Ouais. Ouais, mais c'est ça, je vais me mettre en équipe avec Constance, puis je vais faire le travail pour qu'on soit quitte. Ah, ben merci, c'est gentil d'y avoir pensé. Bon, c'est beau. Je comprends. On s'en prendra pour une autre fois. Il faut que j'aille, salut. Merci de m'avoir couvert. Hein? De rien. Ça me fait plaisir, vu que tu vas faire le travail d'histoire tout seul. Non, mais j'ai juste dit ça pour pouvoir m'en sortir, Constance. Ah, mais tu m'as obligé à mentir, puis ça se paye. Mais qu'est-ce qui se passe avec Fritz? Je suis pas certain, mais je pense que c'est un voleur. Hein? Comment ça? J'ai dit que je suis pas sûr parce que je veux pas le croire, là, mais... Je pense qu'il a peut-être volé le baladeur d'Alexis. Mais tu penses que c'est lui ou pas? Puis si t'es pas sûr, pourquoi tu dis que c'est lui? Moi, je veux pas faire un mal. Fritz, Alexis pis moi, là. Ça peut juste être lui qui l'a pris. Je dis que je suis pas sûr parce que je me fais pas encore à l'idée qu'il a pu le prendre. Ouais. Dans ce cas-là... Hey, mais attends, j'ai vu Alexis ce matin dans le parc puis il y avait son baladeur. T'es sûr? Mais si c'était pas Alexis, j'ai jasé pendant 5 minutes avec un gars que je connaissais pas. Oh, mais son baladeur! T'es sûr qu'il l'avait, là? Oui. Mais je sais pas si c'est lui, là, Alexis Talbot, j'espère qu'il a pas fait ça! Fait quoi? Je te reparlerai plus tard, OK? Merci. Excuse-moi pour les photos. C'est vrai que j'aurais pas dû les retoucher. Non, c'est correct. Tu m'as fait réaliser que j'avais les dents jaunes. Fallait bien que quelqu'un me le dise. Annabelle, tu t'en fais pour rien. J'aimerais bien ça te voir avec mes dents. Tu trouverais pas ça drôle? Je voulais bien faire, mais c'est vrai que c'était pas délicat de ma part. Regarde, j'ai fait réimprimer les photos, mais sans les retouches. On va prendre celle-là pour les affiches. Ben oui. On va montrer à toute l'école que j'ai les dents jaunes. Bonne idée. C'est pas ça le but. On pourrait même faire des affiches. Annabelle a les dents jaunes un coup parti. On pourrait l'annoncer à l'interphone ou à la radio étudiante. Coudonc, Annabelle, t'es jamais contente? Pourquoi tu voudrais que je sois contente? M'as-tu vu les dents? Quand je retouche la photo, ça fait pas ton affaire. Quand je la retouche pas, t'es pas contente non plus. Ben, c'est peut-être parce que la photo, c'est pas une bonne idée. Mais si c'est comme ça, tu la feras toute seule, ta vente de bijoux. Mais c'est ça, hein? Dis-le donc que t'es gelée d'être avec moi à cause de mes dents. On pourrait peut-être faire un peu de musique après pour digérer. Ouais, peut-être. Je me demandais, est-ce que t'as retrouvé ton baladeur? Non. C'est bizarre parce que Constance me dit que tu l'avais utilisé ce matin. Quoi? Ton baladeur. Ah, le baladeur! Excuse, j'avais compris autre chose. Ouais, je l'ai retrouvé. Puis t'as pas pensé m'en parler? Je voulais te le dire, mais j'ai oublié. Puis moi, là, pendant tout ce temps-là, je pensais que c'était Fritz, le voleur. Ben là, tu sais que c'est pas vrai. Dis-le donc que tu l'as jamais perdu puis que tu faisais passer Fritz pour un voleur, Alexis Talbot. Hey, capote pas, man! Il était dans mon sac, caché en dessous des livres, je pouvais pas savoir. Tu pouvais peut-être pas savoir, mais t'étais pas obligé d'accuser Fritz aussi vite. Je l'ai jamais accusé, j'ai seulement dit que c'était peut-être lui. Peut-être mon œil. T'as pas arrêté de dire que c'était lui. Ben, avoue que ça regardait mal.
Il y a juste lui qui pouvait l'avoir pris. À part toi? C'est ça que tu penses de moi? Tu me déçois. Ben, dans ce cas-là, on est deux à être déçus. Et moi, là, je faisais juste ça pour t'aider, OK? Le baladeur, dans le fond, je m'en foutais, là. J'ai juste à demander à mes parents de m'en acheter un autre, puis j'en ai un neuf. En tout cas, t'insistais pas mal fort pour un gars qui s'en foutait. Je voulais que tu te méfies, puis que tu te fasses pas voler, toi aussi. Wow, c'est trop gentil! Hey, veux-tu une médaille? Veux-tu que j'appelle le journaliste? Non, ça va être beau. Je vais juste m'en souvenir. La prochaine fois, tu t'organiseras avec tes problèmes. Parfait. Si tu t'en mêles pas, j'en aurai pas de problème. Ça fait que c'est ça. Je suis certain qu'il a fait exprès. Merci encore, Constance. C'est grâce à toi si j'ai pu découvrir la vérité. Dire que j'ai failli accuser Fritz de voleur. Ouais. Et es-tu encore fâché contre Alexis? Mais, hein. Dérangez-vous pas pour moi. Ah, oh, la belle, décroche avec tes dents. Je voudrais bien te voir à ma place. Reviens-en, ils sont corrects. C'est vrai, arrête de t'en faire. Puis de toute manière, les dents blanches, c'est juste une autre mode. Ça va passer. Une mode? Je me souviens pas que la mode ait déjà été aux dents jaunes. Mais non, mais là, c'est pire que pire. À la télé, il y a juste ça, des annonces de produits blanchissants. Oh, je l'ai vu, moi aussi, cette annonce-là. Oh, je devrais peut-être m'acheter ça. Oui, je préfère de l'équitation et jouer au soccer sous la pluie. Ah non, ça, je pense que c'est une autre annonce. Bon, en tout cas. Annabelle, t'as pas besoin de ça. Vous dites ça juste pour me faire plaisir. Annabelle, est-ce que j'ai l'habitude de vouloir te faire plaisir, moi? Si tu veux savoir, là, ton gilet, je le trouve vraiment laid. Mais tes cheveux coiffés comme ça, là, c'est vraiment ordinaire aussi. Puis quand tu t'énerves un peu trop, là, ça me tombe sur les nerfs. Mais tes dents, je les trouve parfaites. Pour vrai? Oui. Ah, ben là, dis de même, je te crois. T'es dur à convaincre. Quand quelqu'un me dit quelque chose juste pour me faire plaisir, je le sens. Manolo, lui, je le sais qu'il m'a pas dit ça juste pour me faire plaisir. Kim! Quand t'es prête, je suis prête pour les affiches de bijoux. Je sais pas. C'est pour qu'on se dispute encore. J'aime autant qu'on arrête cela, puis qu'on reste des amis. Non, je te le dis, il n'y en aura plus de problème. T'es sûre? Oui. OK, mais je t'avertis, tu feras imprimer les photos de toi-même. Moi, je m'en mêle plus. Parfait. Comme ça, si je me choque contre quelqu'un, ça va être contre moi. Puis, qu'est-ce que tu vas faire avec Alexis? Je sais pas trop, là. Je suis encore trop fâché contre lui. Ben moi, je veux pas l'excuser, mais s'il a fait ça, c'est peut-être juste parce que il voyait à quel point tu t'entendais bien avec Fritz. Puis lui, il tient avec JF, pis ça me dérange pas. Bon, ben dis-lui ça, Alexis. Il va comprendre qu'il y a aucune raison d'être jaloux. Une autre fois, là, pour tout de suite, je veux pas lui parler. Que tu perds pas de temps, toi? Faut pas. Tiens, tu vas mettre celui-là pour commencer. OK. Bon. Comme ça, est-ce que j'ai l'air d'un vrai mannequin? Parfait. Les bijoux de Kim et d'Annabelle sont beaux et peu chers. Dépêchez-vous d'en acheter. Les quantités sont limitées, point d'exclamation. Woo!
Comment tu trouves ça? Ça décoiffe, hein? T'aimes ça? Oui, c'est super bon. Ça t'a pas obligé, hein? Nous autres, on aime ça élevé. On sait que c'est pas tout le monde qui aime ça. Inquiète-toi pas, ils trippent sur la même musique que nous autres. Quand vous allez être populaire, je vais pouvoir me vanter que je vous ai vu répéter dans votre sous-sol. Ouais, sauf que nous autres, on veut pas devenir populaire. Ah, vous voulez pas percer? On veut percer, mais sans devenir populaire. Percer, c'est devenir populaire, non? On va vendre des millions de disques, mais sans devenir commercial. Tu peux pas comprendre ça, hein? Ben, je comprends. Vous voulez rester underground, c'est ça? Pas underground. Glauque. Alexis, il comprend tout ça. Il écoute rien de super commercial, lui, non plus, hein? Ben, c'est vrai. J'écoute du heavy metal, du jazz, de la musique du monde. C'est pas mieux, ça. C'est de la musique de vieux. Oh, man! Ça dépend. Janine en écoute du jazz, puis moi, j'avais pas ça, moi, non plus. Ah oui, le jazz, peut-être, mais la musique du monde. On dirait la danse de la pluie. Va avoir de l'argent à gaspiller pour acheter ça. Écoutons, est-ce qu'il y a quelque chose contre Fritz, lui? Oh non! Mon lacet est détaché. Puis ça, là, ça doit être la faute à Fritz. Hey, il fait pas chaud aujourd'hui, hein? Ça aussi, ça doit être la faute à Fritz. Hey, avez-vous vu ça? Il y a eu un gros tremblement de terre en Asie. Encore la faute à Fritz. Tu penses pas que t'exagères un peu? Peut-être un peu, hein? Mais ça, là, c'est encore la faute à Fritz. Je vous le dis. J'ai hâte qu'il lâche. Avant de dire que t'aimes pas ça, Alexis, est-ce que t'en as déjà écouté, moi, la musique du monde? Il n'y a pas besoin de goûter à du boudin pour savoir que ça goûte dégueu. En tant que batteur, tu te vois en écouter, il y a des rythmes. Des fois, c'est hallucinant. Ça pourrait même t'inspirer. Mais veux-tu nous en jouer un petit bout pour nous donner un exemple? Ah, mais... Je sais pas jouer. Oh non! Ah, mais je pensais que tu savais jouer, moi, de la manière dont t'en parles. Pas besoin de savoir faire de la pizza pour pouvoir dire que c'est bon. Toi, mais ils sont maladeurs. T'es sûr qu'ils l'avaient, là? Oui, oui. Mais je sais pas si c'est... Lui, là, Alexis Talbot, j'espère qu'il a pas fait ça. Fait quoi? Je te reparlerai plus tard, OK? Merci. Excuse-moi pour les photos. C'est vrai que j'aurais pas dû les retoucher. Ah non, c'est correct. Tu m'as fait réaliser que j'avais les dents jaunes. Fallait bien que quelqu'un me le dise. Annabelle, tu t'en fais pour rien. J'aimerais bien ça te voir avec mes dents. Tu trouverais pas ça drôle? Je voulais bien faire, mais c'est vrai que c'était pas délicat de ma part. Regarde, j'ai fait réimprimer les photos, mais sans les retouches. On va prendre celle-là pour les affiches. Ben oui. On va montrer à toute l'école que j'ai les dents jaunes. Bonne idée. C'est pas ça le but. On pourrait même faire des affiches « Annabelle a les dents jaunes » un coup parti. On pourrait l'annoncer à l'interphone ou à la radio étudiante. Coudon, Annabelle, t'es jamais contente? Pourquoi tu voudrais que je sois contente? M'as-tu vu les dents? Quand je retouche la photo, ça fait pas ton affaire. Quand je la retouche pas, t'es pas contente non plus. Mais c'est peut-être parce que la photo, c'est pas une bonne idée. Mais si c'est comme ça, tu la feras toute seule, ta vente de bijoux. Mais c'est ça, hein? Dis-le donc que t'es gelée d'être avec moi à cause de mes dents. On pourrait peut-être faire un peu de musique après pour digérer. Ouais, peut-être. Je me demandais, est-ce que t'as retrouvé ton baladeur? Non. C'est bizarre parce que Constance me dit que tu l'avais utilisé ce matin. Quoi? Ton baladeur. Ah, le baladeur! Excuse, j'avais compris autre chose. Ouais, je l'ai retrouvé. Puis t'as pas pensé m'en parler? Je voulais te le dire, mais j'ai oublié. Puis moi, là, pendant tout ce temps-là, je pensais que c'était Fritz, le voleur. Ben là, tu sais que c'est pas vrai. Dis-le donc, tu l'as jamais perdu puis que tu faisais passer Fritz pour un voleur, Alexis Talbot. Hey, capote pas, man. Il était dans mon sac, caché en dessous des livres, je pouvais pas savoir. Tu pouvais peut-être pas savoir, mais t'étais pas obligé d'accuser Fritz aussi vite. Je l'ai jamais accusé, j'ai seulement dit que c'était peut-être lui. Peut-être mon œil. T'as pas arrêté de dire que c'était lui. Ben, avoue que ça regardait mal. Il y a juste lui qui pouvait l'avoir pris. À part toi. C'est ça que tu penses de moi? Tu me déçois. Ben, dans ce cas-là, on est deux à être déçus.
Et moi, là, je faisais juste ça pour t'aider, OK? Le baladeur, dans le fond, je m'en foutais, là. J'ai juste à demander à mes parents de m'en acheter un autre, puis j'en ai un neuf. En tout cas, t'insistais pas mal fort pour un gars qui s'en foutait. Je voulais que tu te méfies, puis que tu te fasses pas voler, toi aussi. Wow, c'est trop gentil! Hey, veux-tu une médaille? Veux-tu j'appelle le journaliste? Mode. Je me souviens pas que la mode ait déjà été aux dents jaunes. Mais non, mais là, c'est pire que pire. À la télé, il y a juste ça, des annonces de produits blanchissants. Oh, je l'ai vu, moi aussi, cette annonce-là. Oh, je devrais peut-être m'acheter ça. Oui, je préfère de l'équitation et jouer au soccer sous la pluie. Ah non, ça, je pense que c'est une autre annonce. Bon, en tout cas. Annabelle, t'as pas besoin de ça. Vous dites ça juste pour me faire plaisir. Annabelle, est-ce que j'ai l'habitude de vouloir te faire plaisir, moi? Si tu veux savoir, là, ton gilet, je le trouve vraiment laid. Mais tes cheveux coiffés comme ça, là, c'est vraiment ordinaire aussi. Puis quand tu t'énerves un peu trop, là, ça me tombe sur les nerfs. Mais tes dents, je les trouve parfaites. Pour vrai? Oui. Ah, ben là, dis de même, je te crois. T'es dur à convaincre. Quand quelqu'un me dit quelque chose juste pour me faire plaisir, je le sens. Manolo, lui, je le sais qu'il m'a pas dit ça juste pour me faire plaisir. Kim! Quand t'es prête, je suis prête pour les affiches de bijoux. Je sais pas. C'est pour qu'on se dispute encore. J'aime autant qu'on arrête cela, puis qu'on reste des amis. Non, je te le dis, il n'y en aura plus de problème. T'es sûre? Oui. OK, mais je t'avertis, tu feras imprimer les photos de toi-même. Moi, je m'en mêle plus. Parfait. Comme ça, si je me choque contre quelqu'un, ça va être contre moi. Puis, qu'est-ce que tu vas faire avec Alexis? Je sais pas trop, là. Je suis encore trop fâché contre lui. Ben moi, je veux pas l'excuser, mais s'il a fait ça, c'est peut-être juste parce que il voyait à quel point tu t'entendais bien avec Fritz. Puis lui, il se tient avec JF, puis ça me dérange pas. Bon, ben dis-lui ça, Alexis. Il va comprendre qu'il y a aucune raison d'être jaloux. Une autre fois, là, pour tout de suite, je veux pas lui parler. Tu lui fasses ça, là? Rien! Je te l'ai dit! J'ai jamais voulu le faire passer pour... Hey, change de disque, OK? Je sais que t'as fait exprès. T'as pas arrêté d'essayer de le caler. Hey! Capote pas, man! J'ai pas essayé de le caler. Toi, t'es pas mieux. T'as pas arrêté de prendre sa défense. Ah! Il est donc bien cool, Fritz! Ah, mais il est donc bien fin, Fritz! Inscris-toi donc à son fan club un coup parti. Coudon! Es-tu jaloux, Alexis Talbot? Non, c'est pas ça, pantoute. C'est juste que j'aimerais ça que tu me crois. Je pensais que c'était moi ton ami. Et quand tu me fais des affaires à la même, je suis plus sûr. Mais lui, là, il m'a vraiment pompé. Ça a commencé hier, quand Alexis venait me rejoindre au centre des loisirs. C'est pas mal cool, le centre des loisirs ici, hein? Moi, j'allais avant, il y avait une table, mais il y avait plus de raquettes ni de balles. Ça va moins bien. Hein? On jouait au ping-pong imaginaire, au moins, on pouvait jouer tout seul. Puis vous couriez pas après les balles? Salut, man! Salut! Tu
Tu prends te faire battre? Tu prendras le gagnant, j'ai invité Fritz à jouer avec nous. Ah! Oh, ben, Fritz n'était jamais venu, j'ai voulu lui monter la place. T'es rendu guide touristique? Ce sera pas long, on achète notre partie. Prenez votre temps. Pas fort, ça, hein? Ah, ben, c'est pas grave. Je laisse des chances pour pas qu'il se décourage. C'est rien qu'un réchauffement. Prochaine partie, là, tu touches même pas à la balle. Ah, ouais? J'ai hâte de voir ça. Moi, j'ai plus le goût de frapper sur des tambours que sur une petite baballe. Ça te tente pas qu'on ait répété? Tiens, un autre qui a peur de se faire battre. On peut bien, ouais. Excuse-moi d'arrêter votre partie, hein. Ah, mais veux-tu venir nous écouter répéter? Oui, ben, j'aimerais ça. Je suis pas sûr que tu vas aimer ce qu'on joue, par exemple. Hein. C'est assez élevé, notre affaire. Inquiète-toi pas, je suis capable d'en prendre. Hey, je vais chercher mon sac. OK. Pourquoi tu l'as invité? L'autre jour, on a décidé qu'on répétait juste entre nous. On a dit ça parce que Janine se mêlait pas assez de ses affaires à ton goût. Fritz, c'est pas pareil? Je me souviens pas qu'on ait fait un règlement pour les grands-mères puis un autre pour le monde de l'école. Il dérangera pas. C'est pas supposé être fini ton affaire de parrainage de nouveau? C'est pas ça, là. Je l'ai invité parce qu'il est cool. En plus, il connaissait la musique. Il va pouvoir nous donner son avis. Mais j'en veux pas de son avis. Hey, salut, t'as fait ça vite? J'ai pas pris de chance. De la manière dont tu parlais au téléphone, j'avais peur que le feu soit pris. Si ça avait aidé pour éteindre un feu, je t'aurais dit d'amener ton imperméable. Non, sérieux, j'avais vraiment hâte de te montrer. J'ai fait plein de nouveaux bijoux. C'est pour ça que tu m'as fait courir? J'ai plus ton âge, là. J'aurais pu faire une crise cardiaque. Regarde, celui-là, il est beau, hein? Puis celui-là, comment tu le trouves? Moi, c'est mon préféré. Ils sont beaux, sauf que... Quoi? Là, on a fait tellement de bijoux cet été. Si ça continue, on n'aura plus assez de bras pis de cou pour les porter. C'est ça que je voulais te dire. J'ai eu une super idée. Tu vas te faire greffer un petit bras dans le front. Non, mieux que ça. On va vendre nos bijoux. Ben, à qui? Ben, ceux qui vont vouloir les acheter. Ils sont super beaux, je suis sûre qu'on pourra en vendre plein. Ouais, c'est vrai que c'est pas fou comme idée. J'ai pensé à tout. On va faire de la pub à l'école pour les annoncer. On pourrait même faire du placement de produits dans nos cours. Ben oui, par exemple, on pourrait demander à nos profs de français qui parlent de nos bijoux dans leur dictée. Par exemple, les bijoux de Kim et d'Annabelle sont beaux et peu chers, point. Dépêchez-vous d'en acheter, virgule. Les quantités sont limitées, point d'exclamation. Je suis pas sûre qu'il va vouloir. C'est une blague, Kim. Oh! Si c'est une blague, elle est super bonne. Elle est un peu moins drôle quand faut l'expliquer longtemps, mais bon. Bon, c'est quoi ton idée? Je vais te photographier avec l'écolier, puis on va se faire des affiches avec. Ben, pourquoi moi? Marianne et toi, à l'école, vous êtes la référence en matière de mode. Quand le monde va te voir avec le collier, ils vont tous en vouloir un. Bon, si tu le dis. C'est sûr. Es-tu prête? Mm-hmm. J'ai mon appareil photo, puis j'ai demandé la permission d'utiliser le bureau pour prendre nos photos. Je te dis que tu perds pas de temps, toi. Faut pas. Tiens, tu vas mettre celui-là pour commencer. OK. Bon. Comme ça, est-ce que j'ai l'air d'un vrai mannequin? Parfait. Les bijoux de Kim et d'Annabelle sont beaux et peu chers. Dépêchez-vous d'en acheter. Les quantités sont limitées, point d'exclamation. Comment tu trouves ça? Ça décoiffe, hein? T'aimes ça? Oui, c'est super bon. Ça t'a pas obligé, hein? Nous autres, on aime ça élevé. On sait que c'est pas tout le monde qui aime ça. Inquiète-toi pas, ils trippent sur la même musique que nous autres. Quand vous allez être populaire, je vais pouvoir me vanter que je vous ai vu répéter dans votre sous-sol. Je n'ai même pas brisé. Même les plus grands mannequins font retoucher leurs photos. Essaie pas de t'en sortir. Salut. Vous auriez pas vu Manolo? Je pensais qu'il serait ici. Je l'ai croisé tantôt quand je suis arrivée, il partait. Est-ce que ça fait longtemps? Qu'est-ce que tu regardes, là? Rien en particulier, là. Tu regardes mes dents, c'est ça, hein? Mais non, Annabelle, je te regarde toi. Surtout mes dents, essaie pas. Quoi? Et t'as raison, j'ai les dents jaunes. Annabelle, va-t'en pas. Qu'est-ce qu'on fait avec nos bijoux? Ça me tente plus, là. OK.
Qu'est-ce que j'ai dit? Oublie ça, la panique pour rien. On peut pas faire une petite exception juste pour ce soir? Hein? OK, d'abord. Ouais, j'arrive. Ah! Il faut que je rentre. Déjà? Tu te couches à l'heure de Haïti? Haïti? C'est la même heure qu'ici, tu sauras. Ça se peut, je suis jamais allé. Hey, on a ça en commun? Moi non plus! J'ai pas le droit de sortir tous les soirs à part pour faire des devoirs, là. Nous, si on sortait juste pour faire des devoirs, on sortirait pas souvent. Hein, man? Ah, c'est pas grave, là. On se reverra à l'école, hein? Ouais, c'est ça. Ah, t'as oublié ton CV? Ah, tu me donneras quand tu l'auras écouté. Il rentre de bonne heure, ton ami? Est-ce qu'il a peur du bonhomme 7 heures? Alexis, t'as pas arrêté d'essayer de le caler quand il était là? Au moins, il parle pas dans son dos en plus. De quoi tu parles? Comment ça, le caler? Hey, il fait pas l'innocent, là. Pourquoi tu l'as pas lâché? Il t'a rien fait. J'ai pas essayé de le caler. Il est capable de se caler tout seul. Arrête, là. Mais quoi? C'est vrai? Je vois pas ce que tu y trouves. Moi, je vois pas ce que tu y trouves pour l'écœurer. Hey! Man! As-tu pris mon baladeur? Non. C'est bizarre. Je l'avais laissé sur la table, puis il est plus là. Ben, c'est un baladeur, il est peut-être parti se balader. Je niaise pas. T'es sûr que tu l'as pas pris? Ah oui, je suis certain. As-tu regardé dans ton sac? Ouais, puis il est pas là. Arrête de le chercher, puis tu vas le trouver. Si c'est pas toi qui l'as pris, puis c'est pas moi, il reste juste une personne. J'espère que tu penses pas que c'est Fritz qui l'a volé. En tout cas, il avait l'air pressé de partir. Il te l'a dit, il a fallu qu'il parte parce que ses parents sont trop sévères. Ça, c'est ce qu'il dit. On l'a laissé 2 minutes tout seul, puis quand on est redescendu, le baladeur avait disparu. Mais je le connais, là. Il aurait pas fait ça. Tu le connais? Tu le connais pas tant que ça? C'est vrai que je le connais pas tant que ça, mais il a pas l'air d'un voleur. Si les voleurs avaient tout ça décrit dans le front,